Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 4. Aujourd'hui, on va découvrir le nouveau DLC, le London Overground Barking Riverside à Gospel Oak. Nouveau DLC qui vient de sortir et qui nous amène sur le réseau du London Overground. Donc, pour faire simple, c'est le RER londonien, en gros, pour simplifier un petit peu. Et nous sommes en gare de Barking Riverside. La ligne est à l'est, au nord-est de Londres, on va dire. Là, on est plutôt dans l'est de Londres, mais on est au nord de la Tamise. On est juste à côté. Malheureusement, on ne peut pas trop la voir depuis ici, mais je vous montrerai avec la caméra libre. Barking Riverside, c'est plus ou moins un quartier. Enfin, c'est pas plus ou moins, c'est un quartier en cours d'aménagement, de réaménagement. A priori, il y avait une centrale électrique. Auparavant ici et maintenant c'est un chantier où devrait sortir un nouveau quartier d'habitation avec un peu moins de 11 000 logements plus les commerces et tout ce qui va avec et ce qui justifie cette construction, cette nouvelle gare. C'est une gare assez récente, elle a moins de 2 ans, elle a ouverte en juillet 2022. Je vais vous montrer la map, ça sera quand même plus simple à comprendre. Donc nous on est ici. Sur cette nouvelle section de 2,5 miles, je crois. Là-bas, vous avez Barking. Oups, voilà. Et on a ici le triage de Ripple Lane. Triage qui permet, entre guillemets, de faire un petit peu le relais. En fait, cette ligne-là, c'est une ligne de RER, concrètement, qui est pas très longue, hein, à peine 27-28 km. Mais il y a 13 gares, donc en passager omnibus, il y en a quand même pour à peu près 3 quarts d'heure de temps de jeu. Alors oui, on est loin de 1h30 sur Salzbourg-Rosenheim ou sur la Bernina, mais quand même, pour une si faible distance. Et donc je disais, en fait c'est aussi un axe pour le fret, pour traverser Londres en fait. Et ce triage-là permet d'expédier des trains vers le sud-est du pays et même vers l'Europe continentale via le tunnel sous la Manche et la ligne à grande vitesse HS1 qui techniquement se trouve là dans le prolongement. On avait fait plus ou moins ce parcours sur Train Simulator classique d'ailleurs en train de fret avec une classe 92. On était passé par ce triage de Ripple Lanes. Et on avait terminé du côté d'Epslite sur la HS1, on ne pouvait pas aller bien plus loin de toute façon. La ligne, elle existe également sur Train Simulator classique, mais pas tout à fait dans le même état. Donc en fait, on va dire que c'est un doublon, oui et non. Car sur Train Simulator classique, la ligne, elle est dans son aspect tel qu'elle était aux alentours de 2015, voire potentiellement avant. Donc il n'y a pas cette nouvelle section, il n'y a pas le même matériel roulant. On a du nouveau matériel surtout là, c'est ça qui est intéressant. Et à la base, c'est pour ça que j'ai acheté la ligne. Parce que bon, je me disais, oui, 30 km, ça fait quand même pas beaucoup. Mais on a du nouveau matériel, on va le découvrir dans quelques instants. On a la classe 710, construite par Bombardier. Classe 710 qui est vraiment une nouveauté, puisqu'on ne l'a pas sur TS classique. Et donc, c'est vraiment du nouveau matériel introduit sur Train Sim World. Matériel qui peut à la fois rouler. Sous 25 000 volts, sous caténaire et sur troisième rail à courant continu à 750 volts. Nous ici la ligne électrifiée en caténaire. Vous verrez qu'à Barking on a plusieurs systèmes d'électrification parce que Barking, contrairement à Barking Riverside où on est, c'est une gare déjà un petit peu plus historique, c'est l'ancien terminus et il y a plusieurs lignes qui partent avec plusieurs compagnies. On aura l'occasion de voir ça. Bien, on peut visiter un tout petit peu la gare. On a une petite dizaine de minutes avant le départ, donc ça va. Alors, je ne peux pas aller dans la rue, malheureusement, il y a un mur invisible. Dans pas mal de gares de la ligne, on peut aller dans la rue, principalement pour traverser d'une voie à une autre pour les piétons. Là, malheureusement, je ne peux pas. C'est pas, on a les murs invisibles et j'ai pas le mode. Je crois qu'il n'a pas encore été mis à jour au moment où je tourne pour enlever les murs invisibles. Alors, ils ont la licence TfL. Alors, TfL, c'est Transport for London. C'est l'organisme public qui est chargé des transports sur Londres. C'est au sens large, hein. Train, métro, tram, bus, péage urbain. Enfin, bon, c'est très large. Mais ce qui fait que on a la pub pour leur service de nuit. Alors, dans cette gare, il y a. Alors, on peut pas y aller, hein, mais on a ici un endroit pour ranger des vélos, qui est plus ou moins fermé, alors peut-être pas sécurisé, mais il est fermé.
Voilà, on a des machines, des distributeurs de billets qui sont là-bas, je crois, ici. En fait, il y a des assets sympas. En fait, je pense la plupart du temps, bah, comme on passe notre temps à conduire, on visite pas trop les gares. On a un point d'information ici. On prend pas trop le temps de visiter les gares, mais en fait, les gares sont vraiment bien détaillées, bien modélisées. Il y a beaucoup d'assets sur les quais, beaucoup de choses. C'est vraiment bien fichu. Bon, nous, on est le conducteur, on n'a pas besoin de passer notre passe. Je sais plus comment il s'appelle, le passe pour Londres. Il y a un abonnement, mais nous, on va dire qu'on n'a pas besoin. Voilà, et on arrive au pied des escaliers pour rejoindre les quais qui sont en hauteur. Il y a quand même 52 marches. Écoutez, moi, on va monter autrement. Je vous propose, puisque c'est un peu entre guillemets une nouveauté, de prendre les ascenseurs. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté parce que je crois que Rivet Games avait déjà fait une ligne comme ça. Mais il y a quelques gares où il y a des ascenseurs fonctionnels. Alors, tous ne le sont pas. Et en tout cas, c'est pas ce petit panneau Use the stairs, utilisez les escaliers, prenez les escaliers, qui va nous décourager. Nous allons, bien entendu, prendre l'ascenseur. Ce sera bien plus simple. La plateforme, c'est bon. Et voilà, c'est quand même bien plus simple. Alors, les annonces vocales, vous attendez dans l'ascenseur. Le texte est bon, par contre, c'est pas la bonne voix. Je pense qu'ils n'ont pas les droits. La voix, normalement, c'est une voix féminine. Mais bon, ils ont quand même réenregistré les textes. Et nous voici sur les quais de cette nouvelle gare de Barking Riverside. Vous voyez qu'il y a quand même du monde. Normalement, les gares, il y a beaucoup de monde sur les quais. Même si on n'est pas forcément en heure de pointe, là, il est 9h, 9h10, pas tout à fait. Donc on n'est plus réellement dans l'heure de pointe, mais plutôt bon point. Il y a du monde sur les quais, on voit qu'on est dans un environnement urbain, avec beaucoup de population, avec beaucoup de passagers. Donc ça, c'est plutôt cool. On retrouve bien entendu, alors on ne les a pas dans toutes les gares, mais on retrouve nos panneaux de destination. Vous voyez, Gospel Oak. Avec les différents arrêts, Barking, Woodgrange Park, Blackhorse Road. Ah non, j'en ai loupé plein. Enfin bon, parce que c'est la page 2. Il faut que ça revienne là, voilà. Wanstead Park, Leighton. Je suis pas sûr de la prononciation. Bon, bref, je vous dirai ça au fur et à mesure qu'on roule. Le train est composé de 4 voitures et le départ est à 9h18, donc on a encore le temps de visiter un petit peu. Je ferai peut-être une petite ellipse pour que l'intro de cette vidéo ne prenne pas trop de temps. Voilà, donc cette gare-là, c'est simple, gare avec un quai, un seul quai unique qui dessert deux voies de part et d'autre, et on est sur une section aérienne. Et vous voyez que sur notre droite, au début je comprenais pas parce que je m'étais pas renseigné, mais en fait vous voyez à droite rien n'est construit. En fait on se dit bon c'est pas possible, on est où? Et en fait non, c'est normal, la zone est en cours de chantier. Alors je sais pas trop à l'heure actuelle en 2024 où ça en est, mais quand on regarde Google Maps en satellite, on voit clairement que le quartier n'est pas encore sorti. On peut apercevoir la Tamise là-bas. Bon, je vous la remontrerai avec la caméra libre une fois qu'on sera à bord du train. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a? Des fois on a des cafés, des trucs comme ça. Alors, je crois que ici il n'y a pas grand-chose parce que Barking Riverside n'est pas une très grosse gare. Mais à Barking, y a un endroit où vous avez un café. Alors bon. C'est pas réellement animé, mais en fait c'est un peu comme sur l'East Coast Main Line, il y a des boutiques, voilà, il y a du détail et il y a de la vie dans les gares, donc c'est plutôt bien. Bon, ici, à part les passagers présents sur le quai, il n'y a pas grand-chose. Et voici notre classe 710, qui fait partie de la gamme Bombardier Aventra, machine, comme je disais, bitension. Qui peut rouler jusqu'à une vitesse de 75 miles par heure, soit un peu plus de 120 km/h, 121 je crois. Donc voilà, c'est pas une machine qui est faite pour le record, mais encore une fois, sur des lignes comme ça, il n'y a pas besoin de rouler plus vite. Je crois que la vitesse la plus élevée sur cette ligne, c'est 55 ou 60 miles par heure pendant un court laps de temps, donc c'est vraiment pas un problème. Voilà, on a les différentes inscriptions. Le logo du London Overground. Ça c'est rigolo hein, ces portes avec Take Care Closing Door, avec les espèces de dents là, comme si les portes allaient
Vous mangez, c'est assez drôle. Voilà un petit peu ce que ça donne de l'extérieur. On aura l'occasion de visiter, bien entendu, le compartiment passager lorsqu'on aura atteint notre destination. En plus, c'est le terminus, donc le train repart dans l'autre sens dans le pire des cas. Donc on ne finira pas en dehors de la map. On a encore les annonces génériques qu'on connaît hein, sur les lignes anglaises, ça fait un petit moment qu'on les a ces annonces. Il n'y a pas d'annonce à bord des trains, mais il y a des annonces sur les quais, voilà, les annonces standards on va dire, pour la sécurité, principalement d'ailleurs pour la sécurité des voyageurs, les annonces génériques. On peut pas aller plus loin que là, on peut pas, voilà, on est un petit peu limité à pied dans cette gare, parce que dans d'autres on a pas mal d'endroits. Au moins on a le hall en dessous, ce qui est plutôt pas mal. À une certaine époque, pas si lointaine, il y a 2-3 ans, ils auraient juste modélisé les quais, ils auraient mis un mur invisible dans les escaliers et ça aurait été terminé. Donc en vrai c'est pas mal. Allez, on va monter à bord. Hop, ça c'est bon. Alors déjà, dans cette armoire, on va activer... Alors, les raccourcis clavier fonctionnent, hein, mais on va activer nos systèmes de sécurité, donc le TPWS, AWS et la vigilance qu'on vient d'activer, et là, la WS et le TPWS. Donc là, tout est bien sûr on. Voilà, tout est bien sûr normal, bah, tout est à la verticale, donc c'est bon. On ne peut pas tout manipuler, ah, on peut en manipuler quelques-uns. Par exemple, même le Door Traction Interlock, je ne sais pas trop à quoi ça sert, si c'est pour bloquer la traction pardon, quand les portes sont ouvertes. Alors après, pareil, hein, on est dans Train Sim World, je ne suis pas certain, peut-être qu'on ne peut que bouger le bouton. Je suis pas sûr que pareil le DRA on pourrait le mettre sur en fonction isolée. Donc voilà, bon après je pense que certaines fonctions on peut bouger les boutons, quasiment tous d'ailleurs. Mais bon après, est-ce que derrière ça fait quelque chose? C'est pas sûr. On a également ici des disjoncteurs basse tension, principalement pour l'éclairage de la rame. Certains sont fonctionnels. Voilà. Ici, alors pareil, alors tout ce qui est lumière, normalement ça marche. Après le reste, c'est pareil, est-ce qu'il y a des scripts derrière? Et enfin ici, on a les boutons pour qui gèrent la batterie. Donc on peut complètement éteindre la RAM ici. Ou ici, sur off. Et la rallumer, ici en levant ce truc-là, cette protection avec le bouton off. Et la rallumer ici avec le bouton on. Écoutez, on va... Allez sur notre siège et on va prendre notre service. Ok, c'est bon. Donc on va mettre la clé. Vous verrez au niveau des commandes, c'est assez simple. Clé d'inverseur. On va mettre l'inverseur au neutre pour commencer. On a la séquence TPWS AWS. Alors normalement, je vais mettre le DRA. Alors oui, effectivement, le signal, il est... Non, d'ailleurs, il est fermé. Donc je vais mettre le DRA. Normalement, le DRA, donc c'est ce bouton ici, qui est le Driver Reminder Appliance. Ça permet... Alors, on va déverrouiller nos portes. En fait, ça permet... Ça évite... ça coupe la traction lorsqu'on l'active. Donc, on l'active lorsque les conducteurs quittent la cabine. Par contre, pourquoi j'ai les tail lights sur on? Alors, on va les mettre sur auto. Ça, c'est pas normal. Voilà. Auto. Ok, là c'est bon. On va mettre l'inverseur en avant. Donc au niveau de la conduite, c'est inverseur et c'est juste une poignée traction-freinage ici. On pousse pour freiner et on tire pour tractionner. Hein. C'est inversé par rapport... Alors notre code, c'est bon. Le GSMR est à jour. Et normalement, les portes vont se fermer toutes seules. Ça, c'est pas mal, alors, à condition d'être à l'heure. Hein, comme... Donc là, on les entend se fermer et je vais pas avoir besoin d'y toucher. Donc ça, c'est plutôt chouette. Elles vont se verrouiller toutes seules. Alors, je crois que dans la vraie vie... Ah bah là, du coup, elles se sont fermées, mais... Alors, elles se ferment aussi de manière interminante. Là, elles sont fermées, mais pas verrouillées. Elles sont simplement fermées.
Il y a une temporisation, en fait, je sais plus de combien de temps. Et lorsque on va pouvoir partir, eh bien, elles vont se verrouiller toutes seules. Alors ça, je crois que c'est pas très réaliste. Normalement, c'est au conducteur d'appuyer sur le bouton interlock pour vraiment les verrouiller. Normalement, elles se verrouillent pas. A priori, elles sont pas censées se verrouiller toutes seules. On n'a pas beaucoup de place là pour positionner la caméra. On va rester comme ça. Donc là, elles se verrouillent toutes seules. Donc dans 15 secondes, elles vont se verrouiller. Je vais toucher à rien. On va peut-être repasser en cabine. Et vous allez voir que... Bah en fait, ça va passer à la tâche suivante. Comme si on avait verrouillé les portes. Par contre, faut être à l'heure et arrêter au bon endroit. Donc là, c'est le départ. Donc ça va... Voilà, là, les portes sont verrouillées. Et on peut y aller. Alors 15 miles par heure la sortie. Par contre, oui... Et à l'EDRA, bah vous voyez, c'est une bonne fonction. Comme ça, on vérifie le signal, il est bien vert. Ça sert à éviter de faire des départs sans vérifier le signal. Donc voilà, là, je peux l'enlever et on peut y aller. Au moins, on a vu que l'EDRA fonctionnait, même si c'était pas vraiment volontaire. Est-ce que le DSD fonctionne normalement? Oui. C'est bon. Ok, je crois que là, c'est 25 miles par heure la sortie et pas 15. J'ai confondu avec un autre endroit. Voilà, pour passer ces aiguilles-là. Et là, on a droit à 40 miles par heure, donc 60 km/h environ. On va se mettre à la bonne vitesse. J'ai essayé de faire une vue, j'ai oublié de faire ça. Voilà, la caméra libre. Et comme je vous disais, donc on a la gare ici. Et la Tamise là-bas, voilà, là vous la voyez beaucoup mieux en vue sur cette vue drone. Alors il n'y a pas de système de vitesse imposée, de régulation de vitesse, de speed, ce que vous voulez. Mais ça se conduit relativement bien. Comme je le disais, ok, pour l'instant on a droit à 40 miles par heure. Donc comme je disais, c'est l'inverse de ce qu'on a ailleurs en Europe, notamment en Allemagne et en France. Il faut tirer vers soi pour mettre de la traction et pousser pour freiner. C'est un standard anglais. Au niveau du pupitre, alors ça n'a rien à voir avec la classe 700. Hein. La classe 700, elle est construite par Siemens et celle-là, elle est construite par Bombardier. Mais dans la classe 700, on voyait une inspiration. Allemande avec le pupitre qui ressemblait beaucoup, bon, les commandes qui étaient adaptées pour l'Angleterre évidemment. Alors que là, ok non c'est 50 miles par heure, c'est bon. Avec une espèce de table où on pouvait poser une tablette ou des papiers pour ses horaires, etc. Là il n'y a pas vraiment de support, là c'est plus un pupitre un peu à l'anglaise comme on peut connaître par exemple sur la classe 801. La classe 395, voilà, avec juste les commandes à gauche. J'expliquerai les autres commandes lorsqu'on sera à Barking. On aura un peu de temps. Voilà, 49 miles par heure, parfait. Alors vous allez voir, on va s'en rendre compte normalement qu'il y a pas mal de trains sur la ligne. Et si on est un peu trop rapide, on peut vite rattraper le train devant nous. Alors, en passager, vu qu'on s'arrête à toutes les gares, c'est pas trop gênant. Par contre, quand on fait du fret, le fret, vous pouvez pas rouler à la vitesse maximale de la ligne, sinon vous finissez à l'arrêt devant un feu rouge, puisque naturellement, vous êtes derrière des trains qui, eux, s'arrêtent à toutes les gares. On avait, je voulais pas montrer, mais est-ce qu'on peut le voir depuis là? Hein? Ouais, je voulais vous montrer le triage, mais bon, là c'est un peu raté. Ouais, je pense qu'il y a moyen de le voir, mais c'est un peu compliqué. Ok, là faut qu'on se mette à 40 miles par heure.
on arrive voie 8. Ok, à partir de là, on a droit à 45 miles par heure. Ça sert à rien qu'on remette de la traction pour l'instant, pas besoin. Et voilà, la gare de Barking. Avec beaucoup plus de voies, hein. Il n'y a pas que le London Overground, il y a beaucoup de compagnies. Enfin, beaucoup, il y a un certain nombre de lignes. Un peu trop loin, mais ça va, les quais sont longs ici. Et on peut déverrouiller à droite. Je vais mettre le frein sur le cran 1, ça ira très bien. Donc, à gauche, on a la ventilation ici sur auto et on peut gérer la température. Ensuite, les lumières à gauche, les lumières rouges, les lumières de queue qu'on laisse sur auto. En général, c'est toujours sur auto. À droite, les fanaux qu'on place sur day. Et après, c'est les lumières, lumières cabine et autres. Après, il n'y a pas grand chose d'autre. Ici, la gestion des portes côté gauche. Donc, ça, normalement, vous connaissez si. Pour la partie anglaise. Ah, faut déjà verrouiller. Ouais. Ah bah ça s'est pas verrouillé tout seul là. Pourtant on est arrivé à l'heure, mais comme je suis pas pile poil arrêté au point d'arrêt, je pense que c'est entre autres à cause de ça. Ok, les signaux c'est bon. 45 miles par heure. Ici là sur la gauche, c'est ici pour basculer en 25 000 volts. Avec ici le bouton pour monter le panto. Le bouton pour le descendre. Et en dessous pareil, mais pour le troisième rail, avec le bouton de descente du frotteur et la remontée du frotteur pour la partie en troisième rail. Ah, du coup je vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'ici on a quelques voies en troisième rail et également en troisième rail central pour le, alors troisième rail latéral comme on connaît, et également en troisième rail central pour les rames de métro, je crois. Mais peut-être que vous pourrez m'en dire un peu plus. Bon, ici on a l'ordinateur, mais on peut pas en faire grand chose et on peut pas l'utiliser en roulant avec des boutons d'acquittement, d'alarme, etc. Je pense que c'est pas simulé dans le jeu. À gauche, les commandes, je vous ai montré, il y a quasiment que ça, inverseur, traction, freinage, c'est tout. Ici, le bouton d'acquittement de la WS, et puis à droite, les portes, et puis la radio, et puis des boutons qui sont certainement pas actionnable. Oups. Parle et je roule un peu trop vite, voilà. Je me suis un peu emporté. On va remettre la caméra comme ça, voilà. Voilà un peu pour le tour de la cabine. Relativement simple. Ok, après on aura 30 miles par heure. Alors normalement par là. On l'a peut-être passé parce que je discutais, mais par là on a le dépôt de East Ham. Alors je sais pas s'ils ont fait les voies. Ah, je sais plus s'ils l'ont fait à cet endroit-là parce que c'est peut-être un peu plus loin. Peut-être pas sur à côté des voies principales. Et on arrive à Woodgrange Park. Bon, on se met à 40 miles par heure. Faudra juste faire attention aux 30 après la gare. Ah, je fais une arrivée un peu style grand-père là, c'est pas vraiment de l'arrivée RER. Après, c'est un peu délicat, ah, les gares sont quand même assez courtes. Alors, j'ai un tout petit peu dépassé, mais est-ce que là, il me refermera les portes tout seul, sachant qu'on est à l'heure, on est même en avance. Il faut faire attention parce que les... Vous voyez, on a des rames de 4 voitures. Ça rentre tout juste. Encore là, les quais. Le quai est un peu plus long que d'habitude. D'habitude, les quais font juste cette taille-là.
Et puis oui, j'en ai pas parlé, mais donc au centre, on retrouve l'indicateur de vitesse type ETCS qu'on avait déjà dans la classe 700. Donc c'est le même style, on peut pas interagir avec. Alors on va verrouiller les portes. Non, vous voyez là, il veut pas. Je pense qu'il faut vraiment s'arrêter pile au point d'arrêt pour que ça marche. Et là, il veut pas me verrouiller les portes. Alors 30 miles par heure à partir d'ici. Bon, pourtant on a des points, hein, on est plutôt bon, mais soit ça bug, soit il faut vraiment s'arrêter. Je pense qu'il faut vraiment s'arrêter pile au bon endroit. Ça marchait pas toujours, hein, avec moi. Certaines gares, enfin tout dépend le comment on s'arrête. Voilà, on se met à 30 miles par heure. Voilà, 28 miles par heure, ça ira bien. Prochain arrêt, Wanset Park. Ok, on peut prendre un peu plus rapide. On peut prendre 40 miles par heure. Enfin, il y a une réduction à 40 un peu plus loin, donc on va pas prendre toute la vitesse. Voilà, on va pas se mettre à la vitesse limite, ça sert à rien pour devoir refreiner juste après. Donc la ligne est globalement en section aérienne comme ça, principalement. Voilà, à partir d'ici, on peut prendre 45 miles par heure. Évidemment, on ne va pas accélérer tout de suite. Et je crois que c'est à partir de cet endroit-là, peut-être qu'on l'a passé, mais de toute façon, c'est pas visible. Mais on croise la ligne HS1, mais en fait en tunnel, donc on ne peut pas la voir. On passe par-dessus. Alors je vais essayer de m'arrêter pile au bon endroit, voir si c'est cette histoire de point d'arrêt. Je pense qu'il faut vraiment se mettre pile. Pile à zéro, je pense que c'est ça, pour que les portes puissent se refermer toutes seules. Au départ, ça a fonctionné. Donc on va essayer de s'appliquer. Alors, le problème, c'est qu'on perd du temps à faire ça. Voilà. Là, normalement, voilà. Et on ouvre les portes. Oh, 9 secondes de retard, ça va. Pour l'instant, ça va, même si je pense que on va avoir des gares où le retard sera plus important. On verra bien. Panoramique rapide sur la ligne. Eh ben non, il me ferme pas les portes. Pourtant là, bon, ouais, après techniquement on est arrivé en retard parce qu'on avait 9 secondes de retard, mais je pense qu'il faut vraiment être pile à l'heure, pile dans le créneau, sinon le train n'est pas capable de savoir à quel moment il doit refermer les portes. Ce qui fait que cette fonction-là, bah c'est bien parce que, en fait, c'est bien pour les trains IA parce que vous voyez les passagers monter, les portes se referment, puis peuvent éventuellement se réouvrir. Mais pour les trains joueurs, ça sert pas à grand-chose au final. Mais bon, la fonction est quand même là, mais elle est très très stricte. Allez, 45 miles par heure. Au niveau des sons, bon, je connais pas le vrai matériel, mais ça a l'air crédible, en tout cas. Les sons d'accélération. Les performances, alors je l'ai pas testé en troisième rail, mais les performances sont a priori pas les mêmes au niveau de l'accélération lorsqu'on est en troisième rail. Techniquement, ce matériel-là, on pourrait l'utiliser sur la Bakerloo Line, donc la ligne du métro de Londres qu'on avait avec Train Sim World 2. Oui, c'est ça. Puisque en fait le London Overground, il y a une ligne en fait sur la partie extérieure de la ligne, pas dans le métro même, mais le London Overground opère sur la partie extérieure de la ligne. Je vous dirai ça après, il faut que je retrouve l'endroit.
Donc techniquement c'est faisable, sauf que le matériel fonctionne hein, sur troisième rail, ça y a pas de souci. Sur n'importe quel énigme du troisième rail, ça marche. Le problème c'est que la Bacalou Line est déclarée en tant que 4 rails à cause du rail, du double rail en fait, du rail au centre pour le métro, plus le rail latéral. En fait il y a un double troisième rail en quelque sorte. Et donc, malheureusement, elle ne fonctionne pas, cette machine, sur la Bacalou Line. Le seul moyen de la faire fonctionner, c'est d'utiliser l'éditeur de scénario et de déclarer le scénario en tant que scénario en dehors des rails pour contourner le caractéristique électrique de la ligne. Ok, là, je suis à l'heure. Je me suis arrêté un tout petit peu plus loin, mais ça va. Hein. Bon, on voit que le quai, ouais, juste après là, le quai, il y a l'herbe qui pousse dessus. Bon, voilà, hein, c'est un peu compliqué. Alors attendez, je vais vous dire ça rapidement, que je me trompe à chaque fois. Voilà, c'est entre Harrow et Whitston. Non, mais oui, c'est ça, entre Harrow, Whitston et Houston, que je crois le London Overground opère sur la Bacalou Line. Une section commune en fait. Pas la section, comme je disais, la section extérieure. Ah, prochain arrêt, ce sera Leighton Midland Road. Là, nous, c'était Leighton. Non, d'ailleurs, je dis des. Non, c'est ça, pardon. Pas sûr de bien le prononcer, d'ailleurs. Ah oui, là, c'était Leighton High Road. Oui, ok. Je buguais un peu, j'étais en mode, mais mince. On a deux fois la même gare ou quoi? Non, 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 c'est bon. Tout va bien. Vous voyez qu'après, globalement, les gares de banlieue bah, sont des gares relativement simples, hein, mais c'est normal. Hein, avec deux voies de passage, un quai de chaque côté. Globalement, elles sont toutes sur le même modèle. À part, bien entendu, bon, la gare de Barking, qui est l'ancien terminus. La gare de Gospel Oak, qui est une gare comment dire, de jonction. Ouais, c'est pas le bon mot, mais. Il y a deux lignes qui passent. De bifurcation, voilà. On va dire ça comme ça. Oh, c'était pas terrible au niveau de l'arrêt. Je suis 15 yards trop en avant. Mais bon, on est encore sur le quai, donc ça va. On a vu pire. Alors on peut aller sur l'écran à gauche là, enfin normalement, on pouvait. Ah, ils ont encore modifié des trucs. Bon, à un moment donné on pouvait accéder au menu, mais de toute façon on pouvait rien faire. Ah mais vu que là, ah, peut-être qu'il va falloir que je déverrouille. Quand on roule on peut pas y accéder, mais vu que là le temps, en fait il connaît le temps qu'on doit s'arrêter dans les gares. Et vu que là je devais verrouiller, peut-être que j'ai plus le droit d'y toucher à cause de ça. Mais bon, de toute façon, à part faire apparaître le menu, on peut pas faire grand chose. Alors finalement, je pensais qu'on allait croiser un tout petit peu plus de trains. Mais vu qu'on n'est pas dans l'heure de pointe, c'est assez calme. En fait, ça dépend des heures. Dans certains services, vous avez des trains de fret et plusieurs rames de voyageurs. Là, niveau voyageurs, ça a l'air relativement calme, mais on devrait en croiser quelques-unes quand même. J'ai essayé de regarder sur le schéma de la ligne un petit peu ce qu'on avait. Il y avait deux trois choses à signaler. Alors après, il y a pas grand chose à part des croisements avec d'autres lignes et autres. Et comme on est un peu limite niveau
niveau horaire et que de toute façon on s'arrête pas longtemps puisqu'on est sur un service banlieue. Alors moi personnellement, je suis pas hyper fan de ce genre de service où on s'arrête tout le temps. Je pense que j'en ai un peu fait. Non, pas cran 4, cran 3, ça ira bien. J'en ai un peu fait une indigestion à un moment donné parce qu'on avait que ça au niveau allemand. On avait que des lignes allemandes de banlieue. Hein. À une époque, c'était vraiment très fréquent. Et bah là, le fait que ce soit de l'anglais, ça change un peu. Je pense que j'apprécie un peu plus le contenu anglais que le contenu allemand, peut-être aussi. Peut-être ça joue. Et surtout le fait qu'on ait du nouveau matériel, parce que le problème de la banlieue en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas énormément de diversité dans le matériel roulant, contrairement... Alors l'Angleterre, il y a du matériel qui se retrouve sur plusieurs lignes, mais sur Londres, il y a pas mal de matériel, vu qu'il y a beaucoup de compagnies, bah, c'est pas tout le temps le même matériel. Ah là, on n'est pas à l'heure, on est vraiment limite. Non, bah l'écran de gauche, je peux plus l'utiliser. Bon, ils ont peut-être mis à jour, je ne sais pas. De toute façon, on peut pas en faire grand-chose de toute manière. Voilà, je vous laissais un petit peu profiter de l'accélération et des sons. Alors c'est calme hein, en cabine. On n'entend pas énormément, mais c'est normal. Hein. Bon, c'est du matériel récent. Et puis je sais pas où sont les moteurs. Mais c'est relativement silencieux comme train. J'ai peut-être freiné un peu trop tôt. Puis on va arriver tout juste à l'heure. Techniquement en retard. Pour le jeu, on sera en retard. Ah, je suis peut-être arrêté un peu trop en. On va voir. Ah voilà, un autre train qui passe. Je suis potentiellement pas à quai pour l'arrière du train. Ou alors tout juste. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Tout juste si techniquement la porte c'est bon, mais c'est très moyen. Ah, ok, c'est bon, on est reparti. Alors sur cette ligne, évidemment, elle est axée sur la classe 710 pour les passagers, bien évidemment. Mais comme je disais, c'est aussi une ligne où il y a du fret, puisque ça sert de passage en fait pour pas mal de trains de fret qui viennent du nord de Londres et qui vont vers le sud-est de l'Angleterre et même vers l'Europe. Et donc, ah oui, on va avoir 20 miles par heure. Et donc on a des services de fret, mais en fait les services de fret on met autant de temps qu'en voyageur puisque fatalement vous avez des trains devant vous. Alors à certains moments de la journée où la ligne est plus calme, peut-être ce sera un peu plus rapide, mais vous mettez entre 38 et 45 minutes à peu près. Vous mettez rarement moins de temps puisque tôt ou tard vous aurez forcément un train devant vous qui va vous ralentir. Donc on peut utiliser la classe 66, peu importe le DLC que vous avez d'ailleurs. Si vous avez un DLC qui contient une classe 66, dans les services horaires, vous devriez avoir accès au train de fret avec la classe 66. Que ce soit la classe 66
de Southeastern High Speed, de l'East Coast Mainline, de East Coast Way, de la RHTT aussi. D'ailleurs, si vous avez la classe 66 RHTT pour le nettoyage des rails, vous aurez également 3 services. Ah bah, voilà une classe 66 avec un train de conteneurs. Vous aurez, si vous avez la classe 66 RHTT, donc nettoyage des rails, vous aurez accès à, je crois, 3 services pour faire le nettoyage de la ligne. Voilà, que ce soit la classe 66 de... Toutes les classes 66 normalement sont reconnues et ça donne accès au même service. Donc voilà, si vous avez le jeu de base avec l'East Coast Mainline, normalement vous avez une classe 66 avec cette ligne là et elle sera utilisable sur cette ligne. Il y a également moyen d'utiliser d'autres locomotives, je pense notamment à la locomotive à vapeur Jubilée, si vous avez le DLC Peak Forest. Je crois que malheureusement ça fonctionne pas avec Spirit of Steam, c'est quand même un peu dommage. Je crois qu'il y a la classe 47 de je sais plus quel DLC. En tout cas, il y a un certain nombre de locomotives, et là j'ai plus l'info sous les yeux. Mais il y a moyen de faire un peu de fret. Alors fret soit sur la ligne ou alors également en manœuvre au triage de Ripple Lane. Donc c'est bien parce que ça fait quand même de la diversité sur la ligne. Il n'y a pas uniquement des classes 710. Je crois qu'il y a moyen... Oui, bah voilà, vous pouvez avoir de la vapeur avec du train spécial par exemple. Alors on arrive à South Tottenham. Et c'est bien parce que bah, on n'est pas tout le temps... Oula, je suis un peu tard. C'est bien parce qu'on n'est pas tout le temps en train de croiser le même train, voilà. Ouais, on s'est un peu aidé des freins d'urgence, hein, j'avoue. Normalement, on est bien. Ouais, on est bon. Alors, South Tottenham, je vais essayer de trouver quelque chose. Je vais regarder quelque chose. Ah, je suis pas sur la bonne page. Après on va être en retard, alors je vais essayer de faire vite. Ok, non, c'est pas là. Bon, de toute façon, il faut qu'on y aille. Alors on a parlé des services horaires, vous avez bien entendu des scénarios avec la ligne, il n'y en a que 5 et tous avec la classe 710. Mais ils ont un certain intérêt parce que c'est des scénarios avec des événements spéciaux. Il y a la tournée des clubs de foot, il y en a quelques-uns, en fait c'est le premier scénario et ça vous permet de découvrir la ligne. Il y a la soirée d'Halloween, il y a également un jour où il y a des inondations. Donc voilà, il y a des scénarios qui ont un certain intérêt par rapport à Salzbourg-Rosenheim où c'était nul. Là, ils ont fait quelques efforts dans la création des scénarios. Alors après, bon, ça change pas grand-chose niveau conduite. Mais les scénarios sont assez intéressants pour découvrir la ligne. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un clic qui n'était pas trop voulu. Bon, on espère que ça a rien touché. Ah, j'ai mis l'alerte, le signal d'alerte lumineux. Ah bah c'est malin. Bon, ça va, il n'y avait pas de train à ce moment-là. Je me disais que ça pouvait être ça dans ce coin-là. Voilà, là, c'est bon. Bon, là on est limité à 30 miles par heure, donc un peu moins de 50 km/h. Il y a certains endroits où on a vraiment des vitesses assez basses. Oups. Voilà. Et on arrive à Haringey Green Lanes. Je vais pas annoncer toutes les gares, mais on commence à doucement se rapprocher. Oui, bon, on arrive vers au moins le milieu, trois quarts de la ligne, on va dire ça comme ça. Et là, on va commencer à avoir du retard. Voilà, on va commencer à avoir une minute de retard.
J'aurais pu aller un peu plus vite, mais c'est pour rater l'arrêt, c'est pas la peine. Donc là, on commence à être en retard. Alors normalement, ce qui est assez curieux, c'est que l'arrêt à Gospel Oak, normalement, on devrait lui être à l'heure. Pour le terminus, il y a un peu plus de marge. Mais par contre, c'est vrai que les gares intermédiaires, ça devient très vite compliqué, surtout en faisant des streams. Si vous ratez, c'est ça que j'aime pas trop avec. Alors après, ça peut être un défi aussi, hein, peut-être que certains aiment bien. Mais en fait, dès que sur les lignes où vous arrêtez partout, ouais, y a du monde, hein. Sur les lignes où vous arrêtez partout, et eh bien, dès que vous commencez à être en retard, c'est très dur de le rattraper puisque bah, le retard va s'accumuler. Que vous avez plein d'arrêts. Ah, tant pis, je m'arrête là, mais je pense que c'est peut-être un peu ric-rac pour l'arrière du train. Ah, peut-être pas tant que ça, en fait. Ah, c'est... Ouais, ça va, mais ouais, tout juste. C'est pas terrible. Alors, rapidement... Ah non, l'East Coast Main Line, c'est après... Ah bah, c'est après cette gare. Ok. On verrouille. Et on part en même temps que l'autre train, normalement. Alors, en théorie, il y a un croisement avec la East Coast Main Line. Alors, on va peut-être se mettre à la bonne vitesse. Je sais pas où il est exactement. J'ai pas vraiment repéré où c'était. Mais normalement, il est un peu plus loin. Au nord. Enfin. Plus si on est vraiment dans l'axe nord-sud là. Non, on est plutôt est-ouest. Donc, à l'ouest de cette gare. Normalement, il y a le croisement. Donc, en fait, c'est ici. Le croisement avec l'East Coast Main Line. Donc, c'est bien ce que j'avais vu. Et on peut voir des classes 801 et des classes 700. Alors, je pense que pour pouvoir voir les classes 700, il faut avoir le DLC, il faut le posséder. Pour les classes 801, bah, si vous avez le contenu de base de Train Sim World 4, normalement, vous les avez sans problème. Donc nous, on passe au-dessus, en principe. Alors, où est-ce que c'est? Ça doit être par là. Mais où exactement? Ah bon, on l'a passé, ouais, ok. Bon, j'ai pas fait attention, j'étais en train de vous parler. Et ça a été un petit peu compliqué pour eux. Mais on peut les voir. Alors c'est un peu compliqué en roulant, mais si vous y allez à pied ou, voilà, si vous, ou avec la caméra libre, normalement ça fonctionne. De toute façon, je crois qu'il n'y avait pas de train dessus à ce moment-là. Et on commence à accumuler le retard. Pas très bon. On arrive à Crouch Hill. On va quand même remettre un peu de traction, histoire de remettre aux alentours des 30 miles par heure. Là, c'est pas bon. Là, j'ai un petit peu trop freiné. J'ai encore un peu de mal avec les points de freinage sur cette ligne. Voilà, là ça va être bon. C'est ça que je voulais faire. On marque, ça montre un petit peu le décor, mais moi je voulais voir le quai. Hop. Ah, tout le monde est à bord, donc on verrouille. Ah, attendez, on peut s'amuser à faire ça, quitte à être en retard. On peut jouer les spotters. Bon, là on va dire que le trépied est un peu haut, mais.
Voilà, comme ça vous aurez entendu les sons de l'extérieur également. Ok, on va pouvoir prendre 55 miles par heure, on arrive vers la fin. Prochaine station, Upper Holloway. Avant-dernière station. Avant-dernière gare. Et encore une fois, je suis un tout petit peu au-dessus. Voilà, 30 miles par heure. Donc là, pareil, on n'est pas à l'heure, on commence à prendre du retard. Normalement, je pense être à l'heure au terminus. Et on prendra quelques minutes pour visiter un petit peu la gare et aller à l'intérieur, bien sûr, du compartiment passager. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je ferai peut-être une ellipse et on attendra que le train reparte dans l'autre sens. Normalement, il y a 10 minutes de battement. On va reprendre 55 miles par heure, mais sur une section assez courte. Ensuite, on retombe à 40 miles par heure, et je pense que là, on n'aura pas le temps. Non, là, on pourra pas accélérer tout de suite. On va rester à cette vitesse-là pour aborder le quai. Et le 55 miles par heure, donc un petit peu moins de 100 km/h, 90 km/h, on va dire, ça va pas durer longtemps. On va juste avoir le temps de les atteindre et c'est à peu près tout. Ah pareil, j'ai un peu trop freiné. J'ai pas spécialement envie de remettre de la traction. Oula, l'arrêt était peut-être un peu brutal. Ok, c'est bon. Et vous remarquerez que c'est, je crois que dans Train Sim World, même dans Train Simulator classique, je crois que c'est, on n'a pas encore ça. Mais vous voyez que c'est un des premiers trains anglais qu'on a dans le jeu, hein, parce qu'il y a d'autres séries qui sont concernées. Mais c'est un des premiers trains anglais à ne pas avoir l'avant jaune. Là, l'avant est orange. Mais il y a quelques années encore, la peinture jaune était obligatoire à l'avant des trains. Ben on l'a vu, notamment sur la classe 700, c'était encore peint en jaune. Et là, maintenant, ils peuvent avoir des couleurs différentes. Je pense que c'est que certaines couleurs qui sont possibles. Donc notamment là, on a du orange, il y a peut-être du rouge qui est peut-être utilisable. Enfin, c'est utilisé sur le métro, mais je sais pas si en train ou en tram, si c'est utilisable ou non. Et voilà, la prochaine gare, Gospel Oak. Ah bah j'aurai pas le temps d'être à 55 miles par heure. On va se mettre à 40 tout de suite. Alors j'ai oublié de parler en introduction, mais le surnom de la ligne, alors maintenant ça a changé, c'est la Suffragette Line. Mais avant l'extension vers Barking Riverside, la ligne s'appelait la Goblin Line. Donc d'ailleurs, il y a des petits easter eggs, des petits trucs cachés des développeurs par rapport à ça. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ça s'appelle la Goblin Line? Mais en fait, c'était tout bête, c'est un acronyme. En fait, ça veut simplement dire, ça voulait dire, parce que c'est plus valable maintenant, ça voulait dire Gospel Oak Barking Line, tout simplement. Voilà, c'était l'abréviation pour cette ligne. Et maintenant qu'il y a l'extension jusqu'à Barking Riverside, ça fonctionne plus cet acronyme. Donc maintenant, la ligne s'appelle la Suffragette Line. Un feu jaune. On arrive bien entendu sur signalisation fermée avec le B pour la voie. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu le double jaune, je sais pas pourquoi. Et encore une classe 66. Bon, elle est un peu... elle est pas très bien entretenue, celle-là. Et avec toujours des conteneurs. Par moment, on a l'impression qu'il y a plus de fret que de voyageurs, par moment. Bon, là, après, je crois que sur notre parcours, c'était quand même globalement équilibré. Et on arrive, nous, sur une voie en impasse à Gospel Oak.
Et c'est donc le terminus de cette ligne. Ok, c'est 15 miles par heure là. Ah ben on y était. Non, c'est bon. Ah, 15 miles par heure pour l'aiguillage. Et puis bon, de toute façon, je vous conseille d'être un peu en dessous parce qu'il y a quand même un heurtoir à la fin du quai. Ça ferait quand même. Et vous voyez, on va arriver à l'heure même en avance à Gospel Hawk. Et ça ferait pas très bonne impression de défoncer le heurtoir. Donc nous on a juste cette voie là, mais à gauche vous voyez qu'il y a encore une autre gare. Voilà, c'est bon, tu arrêtes au bon endroit. On met le frein sur urgence, on se met en neutre, on ouvre nos portes aussi accessoirement, on met le DRA, le frein on le pousse tout au bout sur urgence, parfait. Alors on va attendre que le service se termine, il va falloir refermer les portes. Alors on peut même éteindre les panneaux off, voilà. Et les feux rouges doivent s'allumer lorsqu'on verrouille le poste normalement, lorsqu'on retire la clé ici. Donc là, on va attendre. Donc là, ah bon, on n'a même pas besoin de verrouiller. Donc là, nous on a parcouru 14,6 miles, hein, voilà, on a distance marchée 0 yards. Ah non, je suis pas d'accord. Non, on a un petit peu marché. On va revenir en mode en parcours libre. Voilà, si j'y arrive. Et là, donc là, c'est ça. On a une petite dizaine de minutes de battement. Donc, on va certainement faire une ellipse. Alors, nous, on va sortir notre clé d'inverseur. Voilà. On isole notre poste. Je vais rapidement couper les systèmes de sécurité parce que quand c'est l'IA qui conduit, parfois ça fait des trucs bizarres et il ne sait pas acquitter les signaux et les systèmes de sécurité, donc on va les enlever. On risque de repartir avec ce train. Donc gare de Gospel Hawk, et vous voyez qu'ici, on va le voir, on a deux autres voies. Voilà, on va aller sur la voie, ce sera plus simple. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Et vous voyez qu'on a d'autres trains. On a l'autre ligne en fait. Voilà, celui-là il va sur Stratford. Donc ceux-là sont purement IA. Hein. On peut rien faire. Enfin, vous pouvez monter dedans, mais vous allez vous retrouver en dehors de la map. Donc c'est la ligne qui va entre Stratford et Clapham Junction. Je crois que c'est la North London Line, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être un doute dessus. Mais en tout cas, celui-là, il va à Stratford. Et dans l'autre sens, ils vont à Clapham Junction. Clapham Junction, qui est pas très très loin de la gare de Victoria. Toujours assuré avec ce matériel-là, la classe 710. Voilà. Je trouvais plus. Mais voilà, le souterrain pour Gospel Hawk. Qui permet de traverser les voies... les voies principales. Et si on a envie, on peut prendre l'ascenseur pour remonter de l'autre côté. Moi, je prends l'escalier que pour descendre. Bon, les ascenseurs sont bien faits. Alors, encore une fois, c'est pas un ajout... Bon, c'est pas un ajout incroyable. Ça a déjà été fait par le passé. Et d'ailleurs, je l'expliquais dans la vidéo précédente sur... Enfin, pas la vidéo précédente, mais la vidéo précédente sur Train Sim World, la vidéo sur Salzbourg-Rosenheim. Je disais que, bon, c'est bien de nous mettre des ascenseurs, mais il faut que ce soit le... faut vraiment que ce soit la cerise sur le gâteau, parce que c'est pour faire comme a fait Riot Games il y a quelques temps, sur Edinburgh Glasgow en disant regardez il y a deux ascenseurs et un piano et tout le reste était franchement pas bon. Bon, c'est pas la peine. Là globalement la ligne, moi je l'aime bien, je la trouve la ligne jolie, plutôt bien modélisée a priori de ce que j'ai pu voir sur des cab rides. Alors les cab rides sont un petit peu anciens, il y en a un qui date de 11 ans, donc c'est pas exactement la ligne
à l'état actuel. Vous voyez que les portes peuvent se réouvrir, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. On a bien un système de portes séquentielles, entre guillemets, elles se referment au bout de quelques secondes, mais tant que le conducteur les verrouille pas, on peut aller les réouvrir. Alors nous, en tant que super passagers, on peut les ouvrir, je crois, même tant que le train ne démarre pas. Mais voilà, elles se réouvrent, elles se referment. Donc celui-là, il va vers Clapham Junction. Et donc voilà, la ligne globalement elle est bien faite, et donc oui, là les ascenseurs pourquoi pas, parce que globalement il y a de beaux efforts, c'est bien modélisé, il y a beaucoup de détails sur les quais, voilà, il y a avec pas mal d'assets spécifiques à la ligne. C'est vrai que la ligne est très courte, alors on peut toujours pas s'asseoir sur les bancs, et là je l'ai pas montré, mais ils ont refait l'animation des personnages. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de voir ça, peut-être qu'on le verra dans le train tout à l'heure. Mais voilà, il y a des nouvelles animations pour les personnages, et il y a des personnages qu'on peut voir assis avec des ordinateurs portables ou des livres, chose qu'on voyait pas trop avant, voire pas du tout. Donc ils ont un petit peu refait ça. On voit des personnages maintenant avec des écouteurs. Alors est-ce que lui va en avoir? Non, lui évidemment, c'est le seul qu'on n'a pas, mais vous verrez des personnages avec des écouteurs qui ressemblent furieusement à des AirPods. Certains carrément avec des gros casques audio, voilà. Donc bon, c'est sympa, avec des gens avec des sacs à dos aussi. Je crois qu'on voyait pas tellement ça avant, donc ça a été refait, c'est pas mal. Et voilà, c'est bien décoré, et la ligne elle est plutôt jolie. Même la voix, moi pendant longtemps sur Train Sim World, j'ai eu du mal avec le ballast. Parce qu'il y avait de la lumière qui se reflétait dessus. Vous voyez que là, la lumière du soleil se reflète sur les fils de rail, c'est normal, mais elle ne se reflète pas sur le ballast. Or, pendant longtemps, sur Train Sim World, on avait le ballast qui faisait un effet miroir qui était tout sauf joli. Alors, c'est pas la première ligne à être jolie au niveau du ballast. Hein. Depuis Train Sim World 3, globalement, ça va mieux. Mais... voilà, même le ballast je le trouve plutôt bien. Voilà, ici on a les... Alors, on peut pas y aller, j'allais dire. Si, on peut quand même... Je crois qu'on peut aller dans la rue. Ouais, on peut sortir. Ah, c'est une des rares gares où vous pouvez aller sur le trottoir. Ce qui fait qu'on voit l'entrée de la gare. Alors, c'est pas le cas dans toutes. Mais généralement, les gares en pleine ligne, avec seulement deux quais, vous pouvez aller dans la rue, puisque c'est le seul moyen pour traverser, pour rejoindre l'autre voie. Ah, par contre... Ouais, on va passer comme ça. Donc la ligne est pas mal. Maintenant, faut aimer faire de la banlieue, clairement, même s'il y a la possibilité de faire du fret. Attendez, je suis un peu perdu. C'était par là qu'on traversait. Oui, c'était... Ah bah, de toute façon, il y a les panneaux. Oui, c'est ça, je crois. Ah, plateforme 2 et 3. Si, c'est ça, je crois. Bon, on peut reprendre l'ascenseur si on veut. Et nous, on va aller reprendre notre train. Ok, normalement, c'est sur ce quai-là. Il faut qu'on aille traverser de l'autre côté. Donc voilà, bah, vous voyez ce que je vous disais. Les passagers avec des gros casques audio. Bon, on n'a pas vu ceux avec les AirPods, mais voilà. Il me semble que ça, c'est relativement nouveau. Alors, ça existait peut-être avant. J'avoue que je n'ai jamais vraiment fait attention. Alors, quand est-ce qu'il part, lui? Lui, il part dans 2 minutes, donc on va monter à bord, même si là, potentiellement, il n'est pas en service. On va un petit peu le devancer. Alors, vous voyez que c'est une rame où c'est comme dans le métro, on a les sièges le long des parois, qui fait que ça dégage de la place pour que les voyageurs puissent se déplacer à l'intérieur de la rame. J'imagine que c'est le but de ça. Et évidemment, on peut être debout. Voilà, c'est bon. Train to Gospelok. Alors, non. Non, pas vraiment. En fait, non. On est censé retourner à Barking Riverside. Ça commence bien. Bon, c'est pas grave. Et après la rame, on peut la remonter. Il y a des soufflets, mais il n'y a pas de porte d'intercirculation. Donc, c'est relativement fluide au niveau des déplacements. Et là, on arrive sur l'autre cabine de conduite.
Alors je ne vous ai pas montré, mais sur les quais, on a les horaires, on a les panneaux, les pancartes avec les horaires, qui a priori sont les vrais horaires. Voilà, là ici on a l'état des différentes lignes. On voit a priori good service sur toutes les lignes. Alors certains en plaisantant ont dit que c'était pas réaliste, ce qui est vrai, hein, il y a toujours quelques lignes, c'est un peu compliqué. Ensuite vous avez l'heure en jeu, donc ça fonctionne. Ah ça par contre, est-ce qu'on peut... Ah c'est vraiment curieux, on peut pas les déplier. Et pourtant, en fait c'est faisable. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors bien entendu on peut s'asseoir là, hein, ça y a aucun problème. Voilà. Oups, je suis relevé. Voilà, on peut s'asseoir ici. Ok, non, alors lui, il part bien. À quelle heure il part? Ok, il part dans 2 minutes maintenant. Donc on peut s'asseoir ici. Bah oui, ça, effectivement, il n'y a pas de nouveauté. On peut pas déplier les strapontins ici. Je trouve ça dommage parce que, regardez, on va aller en cabine. Je vais vous montrer un truc en cabine, je voulais pas montrer. Alors bon, lui, il nous annonce toujours pas la destination. On va aller en cabine. Et on va aller du côté aide conducteur. On va pas trop embêter notre collègue. Hop, on va essayer de refermer la porte. Mais c'est là. Et en fait, en cabine, je voulais pas montrer. Donc là, on a notre conducteur. Salut collègue. Bon, les bras croisés, hein, on comprend pourquoi on part pas. Et en fait, ce strapantin là, de l'aide conducteur, lui, on peut le déplier et on peut même s'asseoir dessus. Donc pourquoi on peut en cabine et pas dans le compartiment voyageur, c'est quand même un peu dommage. Je suis d'accord avec vous, ça va pas révolutionner le jeu, mais si ça marche en cabine, pourquoi ne pas rajouter ça dans le compartiment voyageur? Surtout qu'il y a beaucoup de trains qui ont ces sièges-là. Surtout que sinon on peut s'asseoir dessus, a priori les voyageurs aussi. Il n'y a pas de raison. Ok, je peux contrôler les portes d'ici. S'il y a un contrôleur dans le train. Je pense que c'est fonctionnel. Alors, je vais pas y toucher parce que, vu qu'on a un conducteur IA, ça va être un bazar sans nom. Et j'ai un coup de poing pour l'arrêt d'urgence qui, a priori, fonctionne aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un DLC que j'aurais presque tendance à conseiller malgré la courte distance de la ligne, hein, à peine 30 km. Mais voilà, si vous aimez le train de banlieue de Londres, ça va vous intéresser parce que c'est du nouveau matériel et c'est une ligne quand même bien faite. Moi j'aime bien. Et surtout que la Bakerloo Line commence à un peu mal vieillir. Alors j'espère qu'ils la mettront un jour, un moment ou un autre, pour qu'on puisse utiliser ce matériel-là en mode horaire, avec des vrais horaires en surface. En théorie, c'est faisable, mais la ligne a très mal vieilli. Et vu que c'est pas le même système de gestion des lumières, on va pas rentrer trop dans les détails, c'est la fin de la vidéo. Mais en fait, quand vous allumez les phares avec ce matériel-là sur la Bakerloo Line, c'est l'enfer, hein, c'est beaucoup trop fort. Donc bon, peut-être qu'ils la mettront un jour, peut-être pas, on n'en sait rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur Train Simulator Classic et Train Sim World. Salut tout le monde, à bientôt!